Vous me direz, Monsieur K, tout fout le camp. Et maintenant, on voulait que tu stream même des jeux pour enfants, il paraît. Ouais, c'est sûr, je stream même des jeux pour enfants. Parfois, quand c'est bien, et quand ça peut distraire toute la famille devant le même truc, ça peut être sympa. Pourtant, ce soir, je vais vous inviter à les éloigner peut-être un peu, malgré la choupitude du titre que nous allons aborder. Il s'appelle Gory. Gory Cuddly Carnage. Et c'est une preview dont vous allez vraiment vous souvenir longtemps. Gory n'est pas méchant à la base, c'est juste un simple skater. Un skater de base qui aime bien s'éclater dans son loisir préféré, tout simplement. Mais il se trouve que certains autres ne sont pas de cet avis-là. On va jeter un œil? Oui, je vous ai peut-être pas dit. Gory, c'est moi. Et je suis. Brrr. Je suis. Brrr. Day 243 in orbit. My engines hurt. The nights are so cold. Cheer. Now with real feelings. My reactor is dry and the sun is still. Another day, another dollar. Every morning is a blank canvas. Time to chase the dream and. Error. Inspirational quote 542. Not found. Frank. With a family-friendly language setting. I must have caught something from that sexier seeker. I should get that checked. Your maintenance up here is terrible, Chip. I'm trying my best, and I have no arms. We need maintenance by a licensed cool toys trademark engineer. Newscast! All human engineers are gone from that dirt patch around which we're currently orbiting in 1,000 metric tons of steel. Metric tons? Don't talk about my weight. Don't worry about your weight, Chip. We love living inside your voluptuous body. We're fortified up here, and whenever Gory runs out of his processed chew toys, we can just get some exercise and resupply back on Earth. In my mind, all of us will live inside you, in peace and prosperity, forever and ever and ever and... Wait, what the f*** was that? Oh. Breach? Oh. There's definitely a breach. My insides are falling out. Wow! I think Chip is dying! Breach! This is awesome! Oh, I can't feel my legs. Breach. Oh, cruel world. Was that them? The professor never mentioned any cool toys to work. Explosives! How are we supposed to get back to Earth? Gory? Wait a minute. What the f*** are you doing in the airlock? My child-friendly software won't let me swear, but it's serious! Now you just wait a minute there, pal. Let's talk about this over some nice nip. Come on, you want some nice nip, bud? Game face on! Gory. Oui, je suis Gory, un chasse-quêteur de l'espace. Alors le rendu du jeu est assez particulier, c'est un truc assez fou. Et j'insiste, les mômes, amenez-les pas voir ce stream parce que c'est pas pour eux en fait. Yeah, you're right, Gory. Earth is too dangerous. We have to get out of here. I know a place I should have a ship. Forward's my feline friend. Donc moi j'ai vu un jeu avec un chat. J'ai vu de la glisse roulante ou flottante. À la Jet Set Radio. Qu'est-ce que vous croyez que ça a fait dans ma tête? Oui, je bling pong, tous les ressorts ont pété en même temps. C'était incroyable ce jour-là. Et vous savez quoi? On a le droit de voir la preview de ce jeu qui est assez incroyable. I'm activating tutorial mode. That was the Frank Time Warp. Frank Time Warp is a trademark of cool toys. Frequent usage of Frank Time Warp can cause vomiting, headaches, diarrhea, and explosions and death. All users on your own risk. Wow! That was weird. Don't worry. When they're not flying towards you and explode, they look really bouncy.
Let's jump on them. Donc, la bouille du héros, quoi, déjà, c'est quelque chose. Et comme je vous disais, ouais, le rendu du jeu est assez tonitruant, c'est le mot. C'est peut-être pas là que j'aille. J'ai peut-être réussi à me paumer, allez, ça va. Non, il fallait que je prenne plus d'élan pour sauter. Alors, d'ailleurs, voilà, il y a une touche de turbo quelque part. J'ai pas tout écouté parce que j'avoue je suis subjugué par le truc. Alors le problème c'est d'avoir un skate avec une synthèse vocale. Il est pénible. Oh la vache, ça va vraiment être comme du jet set radio. À part que, ça part régulièrement en sucette. Donc niveau design, vous avez remarqué, c'est légèrement complètement frappé quoi. Le style du jeu est pas nommable tout simplement. C'est du post-futur cyber-psyché néo-punk avec un petit poil de tech party derrière, hein. Alors je vous donne un gros indice, méfions-nous de ce genre de truc. Oui, ce qui est en face là, tout plein d'arc-en-ciel, les licornes. Vous ne croyez pas? Ok. C'est ça, ça me prend plaisir. Ah, ça ne se casse pas. Bon, on va aller sur cette rampe hein, qui nous tend le... Ah, badabadaba. Putain de bordel de bite. Non, il fallait que ça sorte. C'est sur A qu'il faut que je rappuie. Hop. Voilà. Ça y est, je viens de trouver la touche. Maintenant que je connais la touche, ben, il reste plus que d'avoir la bonne synchro, quoi. Alors, la caméra, il faut la bouger, hein, vraiment. Sinon, c'est la panade. Il était mérité celui-là. Oui, c'est exactement ça. Et encore, j'étais en mode. Et je le fais aussi bien, ça, faut faire gaffe. Bon, pour les griffes, vous avez pas trop de soucis. Je m'enlève les ongles. Non, je les bouffe pas, je les enlève. 36-15, la live de Monsieur K. Une soirée promise à l'exception. Oh, c'était quoi ça? Donc je vous avais prévenu. Il y a des licornes, elles sont pas cool. Heureusement, mon skate à intelligence artificielle a des fonctions qui sont tout à fait développées et me permettent de faire du haché de licorne. Raté.
Donc quand je vous disais, Monsieur K va vous faire voir quelque chose d'improbable ce soir, vous ne me croyez pas. Ok, c'est une erreur de votre part. Danger. We're going in back up. The slicey core. Carnage. Ah, quelle majestueuse chose. Oh là là, je teste les mouvements, c'est n'importe quoi, je suis aux anges. Toute petite chose. Alors la caméra c'est un peu problématique. Oh le bruitage. Oh purée, ce jeu. On y retourne. Je peux y arriver, mais j'espère que ça ferme. Oh les gars. In air, boost an attack for a deadly dive. Delicious rad juice. Just what I need to refill my boost. Merde, j'ai oublié la touche. While sliding, use my fuel to boost an attack upwards. C'est ce qu'on a vu précédemment que je me suis amusé à faire. Et du coup, je vois pas où je vais là. Test human. Oh, d'accord. Oh, ce jeu. Je vais pas vous dire ce qui se passe dans ma tête. Vous l'imaginez très très bien. Comment ça on entend le nid jusque là? Oh des bébés en plus, c'est trop mignon. Tu es perdu? Oh pauvre petit tout. Je suis en train de craquer, pas du tout. Je veux ce jeu.
Ah, deux fois je la rate. Ce jeu est pareil. Alors, c'est pas grave, si on va pas plus loin, je pense que je vous ai fait voir l'essentiel. Et je ne rigole pas. Mais moi, je vais directement mettre ce jeu sur ma liste de souhaits. Parce que... Non mais même notre ami Suda 51 peut s'accrocher derrière ça, quoi. Je crois qu'on touche le state of the art. Donc, Gorille, que de l'icarnage. Sérieusement, surveillez-moi ce jeu. Il est une improbabilité vidéoludique. Il reprend la glisse de Jet Set Radio. On est un chat... Et on défonce tout de manière très très sale. Je ne peux plus rien rajouter. Je vais couper le stream, je vais me refaire une partie. Playlist, bouton d'abonnement. À tout bientôt avec un imperméable.